Alors, on va aller dans Illustrator et on va faire un effet de reflet sur le sol par symétrisation dynamique et masque d'opacité. Et oui, ça fait peur. Et vous avez raison d'avoir peur, ça va faire mal. Donc, fichier nouveau. Affichage, je masque le damier de transparence. Ça pourrait se faire dans Photoshop aussi. Donc, y a pas raison. Mais pas de manière dynamique dans Photoshop. Les deux peuvent se faire. En fait, souvent, les deux peuvent faire les mêmes choses, mais d'une manière différente. Donc, c'est un peu comme une femme et une maîtresse. Je n'ai pas dit ça, mais... Bien, donc je vais aller chercher n'importe quoi comme image pour faire un test de reflet sur image. Alors, dans Illustrator, j'importe une des images. Une grande définition ou... Non, peu importe. Ça peut être un truc tout petit, peu importe. Bien. Alors, sur l'image ici, je vais dans la palette aspect. Dans la palette aspect, et je vais lui mettre sur cette image un effet de transformation. Menu effet, distorsion et transformation, transformation. Effet, distorsion et transformation, transformation. OK. Et voilà, l'effet de transformation est sur l'objet. Et vous savez qu'une fois que l'effet est mis sur l'objet, pour modifier l'effet, il ne faut pas retourner dans le menu, il faut absolument cliquer sur le nom de l'effet qui apparaît dans la palette aspect pendant que l'objet est sélectionné. Donc quel est l'effet que je vais mettre ici? Eh bien, ça va être un effet de miroir sur l'axe Y. Donc déjà je peux cocher la case aperçu, vous avez bien votre image qui est sélectionnée, l'objet. Vous avez bien cliqué sur le mot transformation dans la palette aspect. Et donc dans la boîte ici transformation, case aperçu et miroir sur l'axe Y. Et on voit que ça retourne l'image. Donc l'axe Y c'est l'axe horizontal. Il faut que j'indique que l'axe de miroir passe par le bas de l'objet. C'est donc ici, dans les points de référence, que je clique. Et ça change évidemment les choses. Plutôt que de se retourner sur lui-même, avec l'axe qui passe par le centre de l'objet, eh bien, en faisant ça, le reflet est en bas. Le miroir est en bas. Mais mon image d'origine a disparu, c'est parce qu'en fait ici, il faut que j'indique que je fais une copie à la place de 0. Donc une copie, touche tabulation pour valider, et voilà, ça fonctionne. On a donc l'original qui reste visible, et la copie en miroir qui se met en dessous.
Bon, ben, il suffit de faire ça, en fait. Ensuite, je vais faire un petit décalage vertical pour quand même qu'il y ait une séparation entre l'objet et son reflet. Je vais indiquer ici éventuellement un pixel, touche tabulation, voilà, un ou deux. Et on voit qu'il y a un espace entre l'original et le reflet. Ça aidera à mieux comprendre l'image. Donc c'est le déplacement vertical. L'origine étant en haut à gauche, si je mets un déplacement positif, ça descend. Je m'éloigne de 2 pixels de l'origine 0,0 qui est en haut à gauche du document. OK. Et j'enregistre le document.